Yo, bon, c'est dimanche. Dimanche, c'est nettoyage théoriquement. Et vous avez été quelques-uns à me demander comment on nettoie des vitres. C'est con, hein, mais quand on vape, ça fait pas mal d'impuretés. Pas mal de dépôts aussi. Donc du coup, surtout pour la voiture, pour ceux qui vapent en voiture, ou ceux qui vapent à l'intérieur, on va voir comment nettoyer. Alors, je voulais pas spécialement faire la vidéo, on a vu, on me l'a demandé, bon bah du coup, hop, let's go. Alors, vous aurez besoin de deux choses, des gants, au moins par protection. On va quand même prendre des produits chimiques, vous voyez que j'ai les ongles bien rongés quand même, donc j'ai pas envie de me flinguer les doigts. Donc des gants, du sopalin ou des mouchoirs, enfin de quoi essuyer, ou même une éponge sale que vous jetterez par la suite, vous utiliserez principalement pour le nettoyage. Du dégraissant. Moi je l'ai pris en flacon liquide, donc vous pouvez le diluer avec de l'eau chaude ou des choses comme ça. Ou alors je sais que maintenant ils font surtout c'est le spray déjà dilué. Ou alors vous prenez ça et vous le diluez directement. Donc ça c'est directement dilué. Ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer l'état des vitres. Parce que là ça fait 2 mois facile je pense. Je vous retire du trépied et on va voir ça. Bien voir mais bon la crasse elle est bien présente. Hop. Donc même là, ce organe là, on voit déjà les traces de doigts que j'ai fait pour la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est des petits trucs qui au final sont assez chiants. Alors du coup, je prends mon dégraissant. J'en applique là-dessus. Alors maintenant, grosso modo, il faut faire ça dans toute la baraque. Si vous voulez faire ça uniquement sur des fenêtres, faites-le directement dans un truc pour le diluer, ça sera beaucoup plus pratique. Par contre, si c'est pour faire sol, maison, tout ce qu'il faut faire en entier, je vous conseille la première technique, c'est de le faire dans un gros bac d'eau, avec de l'eau tiède, etc. Et vraiment une chiquette d'ammoniac. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi bien se protéger les mains. L'ammoniac, ça va bien attaquer la matière, et comme ça sera vraiment clean de chez clean. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à vous. C'était un petit tuto assez rapide, c'était Théo. Ciao.